J'avais 18 ans. La personne dont je me sentais le plus proche, c'était Mathilde. Je vais recommencer. J'arrive pas à commencer, mais je vais y arriver. Alors, j'avais 18 ans, j'avais une amie très proche qui s'appelait Mathilde, et on a décidé ensemble qu'on allait s'installer à Lille, comme ça on serait loin des parents, et ce qui nous permettrait de commencer ce qu'on pensait être à l'époque la vraie vie, celle qu'on attendait déjà depuis un petit moment. On a cherché des appartements, on a visité un grand rez-de-chaussée avec un papier peint improbable au mur. Et on a pris, on s'est dit qu'on pourrait faire des fêtes de folie là-bas. On n'avait rien à mettre dedans, on n'avait pas de meubles ni rien. On a mis des tentures au mur et on se disait que ce serait en attendant de refaire la peinture. Évidemment, on n'a jamais fait la peinture. Et concrètement, de toute façon, à part faire la vaisselle, on ne savait rien faire. Mais on aimait cet appartement, on était hyper excités tout le temps de ce qui allait se passer. J'ai rencontré Hugo à une fête. Je suis tombée immédiatement amoureuse de lui et de son corps. Je me souviens de rien d'autre que de. Je me sentais comme dans une bulle, comme si je flottais comme ça vers lui. Et c'est la première fois que j'avais la sensation de mon sexe qui gonflait et qui chauffait, et j'avais très peur que ça se voie. Mathilde, qui habitait là, m'a demandé si on l'avait fait. J'ai répondu un truc du style on n'a pas couché ensemble, mais on a fait l'amour. Ce qui, pour moi, était la manière la plus juste de décrire ce qu'on faisait. Mais pour elle, enfin, ça marchait pas, ça comptait pas. Il m'avait pas pénétré, donc ça comptait pas. Et j'étais toujours techniquement vierge. Un matin, après une de ces nuits, je suis sortie de la chambre. Moi, j'étais remplie de tout ça, d'amour, de reconnaissance. Et j'ai croisé Julien, donc le nouveau petit ami de Mathilde. Il m'a regardée longtemps. J'ai senti précisément qu'il voulait ce truc qui appartenait à quelqu'un d'autre. On a échangé quelques mots, je suis retournée dans ma chambre et j'y ai plus pensé. Peu de temps après, Hugo m'a dit que finalement, il n'avait pas envie d'une relation à distance, que c'était fini. Et je me suis retrouvée. J'avais l'impression qu'on m'avait retirée du sein de ma mère et jetée dans le caniveau. Mathilde pleurait tout le temps. Elle a fini par me dire que Julien lui avait avoué que je lui plaisais. Je trouvais ça un peu ridicule, je pouvais pas m'intéresser à cette histoire, j'étais trop absorbée par mon propre chagrin d'amour avec Hugo. Je trouvais ça nul qu'elle puisse éprouver quelque chose comme ça alors que je vivais sur le même toit qu'elle. Je comprenais pas qu'elle puisse le regretter. Et toutes nos copines, à Mathilde et moi, savaient que j'étais un peu l'objet de la petite discorde entre eux. Et ils ont fini par se remettre ensemble. Sauf qu'elle devait repartir un an en Italie. Et Julien continuait à venir à nos fêtes et ça me gênait qu'il soit là. Je trouvais ça un peu. Je trouvais que ça se faisait pas trop. Et au bout de presque un an, il m'a proposé de dîner avec lui. J'hésitais, mais je me disais qu'il fallait que je me débarrasse de cette gêne vis-à-vis de lui. Donc j'ai accepté.
Il a commencé à discourir sur le porno. Moi, discrètement, je regardais ma montre en me disant « dans une heure, je suis partie ». Puis, il s'est installé près de moi, à l'autre bout du canapé. Et je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de Mathilde. Il m'a dit qu'ils étaient plus ensemble et qu'ils gardaient de bons contacts. Et là, il m'a dit, et toi et Hugo, vous formiez un si beau couple. Vous étiez si bien ensemble. Et là, j'ai senti mon cœur se gonfler de reconnaissance. Ça faisait des mois que plus personne ne voulait entendre mes jérémiades sur Hugo et moi. Et donc oui, Hugo et moi, c'était magique. Et là, j'ai lâché un truc. Je lui ai aussi parlé de mon envie brûlante de devenir comédienne. Et je me suis penchée vers lui. Et son visage s'est rapproché du mien aussi. Le contact était dur. Sa bouche était close, sèche. Il est venu autour de moi et il est passé derrière moi, derrière le dossier du canapé. Et mes vêtements glissaient. J'ai vu mon soutien-gorge par terre. Puis en une fois, j'étais nue. J'avais jamais été nue comme ça dans une pièce, avec quelqu'un et autant de lumière. Puis il a disparu. J'étais là. J'attendais. J'attendais que tout ça prenne sens. Et quand il est revenu, il m'a attrapée. Tout ce que je savais saisir, c'est que manifestement, c'est lui qui savait. C'est lui qui décidait. Il m'a posée sur le lit et il s'est mis un préservatif. J'arrivais pas à saisir ses yeux, son regard. Et en se retournant, il m'a demandé si j'étais vierge. Je me suis entendue dire oui. Et il a retiré son préservatif. Je sentais comme un coup dans le visage, mais c'est mon vagin qui frappait. Il était dedans. Il cognait dans l'os comme un dératé. Je regardais le plafond. C'était du crépi blanc. J'hurlais à l'intérieur, mais ma mâchoire était verrouillée. Puis un cri est sorti. Il m'a demandé si ça allait et je lui ai dit que je voulais faire une pause. Mais il a continué. Il continuait à cogner et je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. On la refait direct, juste pour cette histoire de cafouillage de texte. C'est quand tu veux. À ce moment-là, j'étais dans une culpabilité immense vis-à-vis de moi et vis-à-vis de Mathilde. En fait, je comprenais plus rien. Je crois que je me suis dit qu'il fallait que je comprenne, que ça puisse faire sens. Du coup,
Je me suis dit, bon, ok, il s'est passé un truc. Je comprends pas. Bah, je vais lui demander ce qui s'est passé. Donc le lendemain, je l'ai croisé à la fac. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Et il a accepté. Et on est allé chez lui. Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Ça a duré particulièrement longtemps. Et j'ai eu particulièrement honte. J'arrive pas à refaire un fil complet du déroulé, tu vois. J'ai des flashs, des images, des sensations physiques. Bizarrement, c'est à la fois la moins narrative, mais c'est la plus vive. Celle dont j'ai mis le plus de temps à me défaire. Je revois des couleurs rouges, oranges, fauves. Ça cogne, ça feule, ça sent fort. À un moment donné, je me vois à quatre pattes. Il me prend, il m'emboîte sur sa bite. Ça coince, il force. Puis il change d'angle de pénétration. Je me suis dit, c'est pas possible, mes tissus vont se déchirer. Mais non, malgré la douleur, ça a fini par s'humidifier. Tu vois, comme si mon corps s'occupait plus de moi, comme s'il s'organisait, comme si j'étais réduite à des fonctions purement mécaniques. À un moment donné, je me souviens, je lui ai demandé de m'attacher. C'était complètement débile pour une fille comme moi, qui connaissait rien à l'amour, rien au sexe, et en plus dans cette situation, tu vois. Mais je pense que c'était un truc comme pour dire hey, « mec, je suis là, tu vois. » S'il y avait pu avoir un truc de l'extérieur, visible, peut-être ça aurait été plus facile. En fait, c'est le seul moment où j'ai tenté quelque chose, tu vois, une sorte de renversement de pouvoir. Mais il écoutait que dalle. Il était en train de s'acharner sur mon urètre, ça je me souviens aussi. Comme s'il se branlait sur mon... Il essayait de branler mon urètre. Pendant des années après, tu vois, quand j'ai fait l'amour, j'avais peur de pisser, Je contractais mon vagin, je contractais mon urètre, j'avais peur que ça pisse, que ça parte dans tous les sens. Tu vois, ces chemins de sensation, j'ai mis des années à m'en défaire. Mais la pire, c'est que c'était la haine. Pendant 40 minutes, tu entretiens un mépris et une haine pour lui. Et c'est très difficile de se débarrasser. Après, 40 minutes... la haine pure. Pendant des années après, j'étais hyper, hyper... Mais vraiment hyper dure. Elle pouvait pas faire autrement, je crois. Avec toutes les possibilités qu'elle avait comme être humain. Et dans cette position, je comprenais. Je comprenais. Quand tu es dedans, dans ce bain de merde et d'agressivité, oui, c'est ça
qui me touche, qu'elle essaye. Et la deuxième fois. Mais la troisième fois encore, elle fait un truc que... Moi, je pense, merde. Mais... Bouf, si moi, je suis ta mère, et tu me racontes, oui, je vais aller là, parce que maintenant, et je vais essayer. Mais c'est irrationnel, ça n'a rien à foutre avec l'intellect. Mais la troisième fois... La troisième fois, je suis partie en guerre. Fallait que je survive, en fait. Je l'ai invité chez moi. Il faisait beau, on était au mois de mai, c'était quelques jours après. J'avais mis de la lingerie. Je lui ai ouvert la porte. Je me suis assise sur ses genoux, je l'ai cajolé. Il était différent. Il parlait, il me disait qu'il était amoureux de moi. Je l'ai emmené dans la chambre, il s'est pas déshabillé. Il a enfoncé sa bite en moi. Je sais pas, 3 minutes, c'était sec. Puis j'ai senti qu'il ramollissait. Il m'a dit qu'il sentait le lait. Je l'ai raccompagné à la porte. Il m'a dit qu'il avait honte. Et là, je savais que c'était fini. Et là, je savais que c'était fini. Ça va ? Ouais, ça va. En t'écoutant, je me disais que pendant les essais, tu l'avais joué comme si tu ne comprenais pas toi-même ce que tu étais en train de raconter. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu as fait du chemin sur... Tu la comprends mieux ? Je sais pas, peut-être. Bah, le problème, c'est quand tu plonges plus avant dans quelque chose, évidemment, tu perds une candeur, quoi. Par rapport au... Je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression de plus la comprendre. Au contraire, en fait. Après, je comprends tous les motifs hein, qui l'ont poussée à vouloir comprendre, à même essayer de réparer, peut-être, aussi, tu vois. Ça, moi, c'est un truc que je me dis, peut-être qu'elle pensait que ça, ils allaient... je sais pas... réparer le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a peut-être un espoir aussi, tu vois, de... Mais donc, ça veut dire que tu projettes quand même... Ça peut pas juste être... je comprenais pas et j'avais envie de comprendre. Il y a des implications émotionnelles, tu vois. Il y a peut-être même de l'amour, je sais pas, ou quelque chose qui pourrait être... Ou de l'attirance, ou... Enfin, je sais pas. Ou en tout cas, essayer de voir... Si c'est possible d'effacer ou d'expliquer ou d'atténuer en tout cas la peine de ce qui s'est passé ou tu vois quelque chose comme ça. C'est pourquoi elle y retourne. Je pense que j'avais quelque chose, je sais pas, lié à si on fait gaffe, quand même on se met pas dans telle situation. C'est ultra conventionnel comme. Je vois toute ma famille derrière. Dans ma famille, s'il pleut, on sort pas parce que ça mouille. Et que le sol est glissant et on peut se casser quelque chose. Donc, vaut mieux pas. Vaut mieux pas se mettre dans n'importe quelle situation. Peut-être d'aller... Pourquoi cette jeune fille, elle a pas le droit d'aller tester quelque chose ? Peut-être qu'elle va tester un truc, en fait, en allant manger chez lui ou en l'embrassant. Ça veut pas dire qu'elle est en train de lui promettre... un truc gigantesque auquel ce pauvre garçon, une fois que son désir est éveillé... Il y a aussi ça, en fait. On dit que les garçons, ils ont un désir et qu'ils doivent... ils doivent y céder ou ils doivent l'assouvir et... Bon. Et tu te rappelles de toi à 19 ans ? Oui. T'étais comment ? Bah, j'étais très...
Rock'n'roll, sauvage. Je prenais beaucoup de risques. Je voulais vivre. Et vraiment, j'ai eu de la chance, je crois. Parce que j'imagine quand mes enfants ils font ce que moi je faisais, je dormais plus. Moi, j'avais vraiment de la chance, je crois. Mais bien sûr que... Oui, il y a des gens qui sont dans la nuit, qui d'un coup, tu as confiance à quelqu'un et d'un coup, ça change. J'ai eu ça souvent. J'allais à la chasse, comme les mecs qui faisaient, parce que je voulais vraiment être égale comme les mecs. Mais là, c'est toujours... j'ai senti beaucoup que c'était pas égal. Et j'ai pris beaucoup plus de risques, je crois. Parce que je prenais de temps en temps un mec avec que je connaissais pas. Alors, une fois, lui, il était aussi agressif avec moi. Et là, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas eu... Après, j'étais blessée et je pensais, mais merde, pourquoi j'ai pas senti ça? Mais c'est dans la... Ouais, dans le flou des nuits. Baptiste, wow! Cake, le sinus. Oh, fantastique. Wow! T'as vu? Wow! Encore une fois. C'est vraiment une danse. Et ça ensemble, hein? Qu'est-ce que j'étais venue chercher? De l'attention, de l'aventure, de la flatterie. Je voulais tellement me débarrasser d'un pucelage qui m'embarrassait. Je voulais devenir quelqu'un d'autre et j'en suis venue bien parvenue par-dessus là. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais j'étais plus personne. Après, c'est séduisant l'idée qu'on apprend de tout, que ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais en fait, il y a des expériences qui te font désapprendre essentiellement. Et tu désapprends le lien, tu désapprends le désir, tu désapprends ta confiance. Et est-ce que c'est intéressant en soi? Est-ce que c'est intéressant en soi? Non, ça l'est pas du tout. Non, je sais pas si... Du coup, c'est bizarre, en fait, de répéter les trucs, mais... Il y a des moments, ça... J'y arrive, et puis des moments, j'arrive pas à être dedans. Après, c'est séduisant, l'idée qu'on apprend de tout, que ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Mais en fait, il y a des expériences qui font désapprendre essentiellement et... Tu désapprends le lien, tu désapprends la confiance, tu désapprends le désir. Et est-ce que c'est intéressant en soi? Non, ça l'est pas du tout. Ah, je suis en train de repenser à un truc... Vas-y. Non, ça me fait penser, je t'en avais parlé, un passage d'un livre de Despentes, là, le King Kong Theory, où elle dit qu'en fait,
C'est obsédant, quoi. C'est obsessionnel. Et même quand t'as envie de liquider le truc, de passer à autre chose, d'oublier, en fait, ça revient et t'en dis toujours des choses différentes, en fait. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça aujourd'hui, en fait. T'en dis des choses différentes et contradictoires et c'est pas quelque chose que tu peux... Enfin, tu peux lui trouver une place et accepter la place que ça prend, mais tu peux pas... C'est fondateur, en fait. C'est fondateur, ça te construit, ça te constitue, ça te... Donc c'est pas... Ça fait 18 ans, en fait, donc... Je sais même pas qui j'étais avant, finalement. C'est un peu bizarre, parce que... Enfin, je sais pas, je repensais à ça, parce que c'est, pour moi, c'est vraiment... Finalement, c'est même pas l'événement en soi, c'est même pas les souvenirs qui reviennent, tout ça, finalement, c'est presque... Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai vraiment tous les souvenirs et que je sais qu'a priori, il n'y aura pas des nouveaux qui vont arriver. C'est une espèce de surprise, tout d'un coup. Finalement, le plus compliqué, c'était quand les souvenirs revenaient petit à petit et que je me disais, putain, encore ça, j'avais oublié ça, comment j'ai pu oublier ça, et ça revient, et ça revient. Et là, j'ai l'impression que tous les souvenirs sont revenus et qu'a priori, je ne vais pas avoir de surprise d'un truc qui... d'un moment qui s'est passé que j'avais oublié, quoi. J'ai décidé de finir ma licence parce que je voulais vivre, je voulais oublier. Je me disais que ça ne m'était pas arrivé, que ça n'avait pas pu m'arriver. Et j'essayais de m'accrocher à tout ce que je pouvais pour me protéger. Je m'accrochais à toutes les habitudes que j'avais qui faisaient que je retrouvais mon vécu physique normal, à peu près normal. Ma mère... Elle commençait à faire des liens. En fait, elle était venue quelques semaines avant dans mon appartement. Et il y avait des vêtements partout. Mes cheveux étaient sales. Enfin, tout était à l'état d'abandon, en fait. Et elle se disait que je tenais des propos décousus et obsessionnels. Et que c'était... en fait, que c'était disproportionné. Par rapport, enfin, mon niveau de culpabilité était disproportionné par rapport à une supposée histoire de cul. Donc elle m'a emmenée au planning familial. Et là, je me suis retrouvée dans un bureau. Donc j'avais mon gros manteau à capuche qui me servait de peau. Et je me suis retrouvée face à une dame qui me posait des questions et qui me demandait de répondre des choses précises. Donc, et je trouvais ça complètement décalé. Et je me revois lui hurler « Oui, ouais, c'est un viol. » Voilà. La première fois que j'ai lu le texte, j'ai senti comme une irritation. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette histoire est-ce que vraiment... Elle a raconté cette histoire pour se donner de l'importance. Est-ce qu'elle a créé des souvenirs traumatiques, etc. Et puis, j'ai vraiment eu envie de rentrer dans cette histoire. Et je me suis appropriée, je l'ai relue plusieurs fois. Et plus je lisais l'histoire, plus j'avais de l'empathie pour Ada. Donc, je suis passée de l'irritation à l'empathie. Et puis, au moment où je l'ai interprétée, bon, j'ai interprété ce chapitre sur le blackout et là, j'ai vraiment eu de l'émotion en disant le texte comme si je me sentais dans la peau d'Ada.
C'est vraiment l'émotion insupportable qui conduit au refoulement ou au déni ou au blackout. Le blackout, je dirais pour moi, c'est le trou noir. Et donc, on sait que c'est là, mais on ne veut pas y penser. Et puis avec patience, avec bienveillance, avec écoute, on peut amener la personne à accepter de revenir dans certains méandres de son cerveau et puis tout d'un coup, de se rappeler de choses qu'elle pensait avoir oubliées. Ça fonctionne comme ça aussi chez les hommes qui ont commis des actes de violence. C'est possible aussi que dans l'histoire d'Ada, Julien ait vécu toute sa vie en faisant comme si ça n'était jamais arrivé. Parce que la culpabilité, la honte, ce sont des émotions difficiles à supporter et qui mettent la personne à mal. Donc on rencontre des hommes qui sont victimes, mais on rencontre beaucoup d'hommes auteurs de violences conjugales. Enfin, ils ont été victimes de certaines choses souvent dans leur enfance, mais ils sont auteurs de violences conjugales de différentes sortes et qui peuvent préférer oublier pour ne pas éprouver la honte d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont fait, ou ne pas simplement éprouver la culpabilité, qui n'est pas un sentiment agréable non plus. La honte, c'est pire, parce que la honte, ça touche à ce qu'on est. La culpabilité, ça touche à ce qu'on a fait. La différence entre la culpabilité et la honte, c'est ça. C'est que la culpabilité porte sur un acte, sur quelque chose, alors que la honte, ça touche vraiment à qui on est. Et je crois qu'Ada, elle utilise ce mot-là. Je crois qu'elle connecte ou qu'elle ressent la honte. Elle ressent la honte à travers les différentes étapes de son histoire. La dame me posait des questions très précises. Je trouvais la situation complètement décalée. Puis je me revois lui dire « Oui, oui, vous avez raison, c'était un viol. » C'est ça qui est arrivé. Le médecin m'a donné des antidépresseurs. À chaque fois, je les ai vomis. Mon père m'a emmené voir les flics. J'étais complètement amorphe. Puis quand la fliquette m'a demandé qui avait enlevé ma culotte, je suis parti. Ma mère a appelé une avocate qui lui a dit qu'en l'absence de preuves matérielles, ce serait sa parole contre la mienne. Et que la plainte ne mènerait nulle part. Chaque récit, même quand il est super éloigné de ce que moi j'ai vécu ou de ce que j'ai fait vivre à des gens, même quand c'est excessivement éloigné, quand même il y a des mécanismes qui sont les mêmes. Je peux les relire. Mais il a fallu que je me replonge dans des histoires auxquelles j'avais jamais vraiment repensé, beaucoup de choses que j'avais oubliées. Donc, c'est tout un travail assez long, mais de plus en plus, tu te dis, je suis le problème, j'ai été le problème, j'ai déjà... Et puis il y a plein de petites étapes, tu t'admets, j'ai déjà été violent psychologiquement, j'ai déjà posé des gestes violents, peut-être que j'ai déjà violé quelqu'un. Puis... Rien que le dire, là, c'est un truc, parce que c'est... Le texte aussi intéressant là-dessus, là, ça... Sur la vision, la perception qu'on a du viol et surtout des violeurs, c'est... Il y a une construction de quelque chose de monstrueux pour que ça corresponde à personne. Comme ça, c'est personne. Sauf que ça colle pas, je pense, avec tout ce que raconte... les femmes, année après année, après année, après année. C'était une de mes premières histoires. Pas la première, mais la deuxième, je pense. Je pense qu'à ce moment-là, je devais me dire globalement... Je pense que j'étais d'accord avec le féminisme et avec les choses un peu lointaines, mais dans mon quotidien, concrètement, il n'y avait pas de remise... Enfin, c'est même pas quelque chose que je réfléchissais ou que j'imposais. Par exemple,
Tu vois, je pense que c'était normal pour moi d'avoir des rapports sexuels tous les soirs quand tu dors avec quelqu'un, des choses comme ça. C'était pas quelque chose qui était trop réfléchi. Puis, je pense que j'étais pas du tout. Moi, c'est sûr, j'étais pas du tout ouvert vers les désirs de l'autre. Enfin, tu sais, à cette époque-là, pour moi, la relation amoureuse comme physique, sexuelle, c'était pas un échange. C'était, je sais pas ce que c'était, mais c'est malheureux, mais donc voilà. Donc dans une histoire comme ça, c'est sûr que au moins une fois cette personne-là m'a dit, mais je pense que c'était après notre relation, voilà. Que donc quelques temps après que ce soit passé, que qu'elle avait pas eu envie, que j'avais fait mal, puis. Je crois que je me suis senti tellement. Le premier truc que j'ai ressenti dans mon souvenir, c'est que je me suis senti tellement con et tellement merdique de pas avoir comme si j'avais pas regardé, comme si j'avais pas demandé, comme si quelque chose qui aujourd'hui me paraîtrait plus évident. Mais c'est ça. Encore 6 mois plus tard, je suis parti en voyage 2 mois. Et au retour de ce voyage, j'ai écrit pour reprendre de ses nouvelles. Et elle m'a répondu en disant qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Donc là, c'est le moment où j'ai compris que... Que je lui avais fait du mal, je l'avais blessé, c'était vrai. Enfin, puis voilà. J'ai jamais cherché à la revoir ou à lui parler. On s'est aperçu 1 ou 2 fois. C'était le moment où j'habitais encore en France. Puis après, je suis parti. C'était pas la raison pour laquelle je suis parti, mais ça l'a motivé. Donc j'ai passé plusieurs mois chez ma mère. C'est un peu flou. Physiquement, je retournais pas bien. Je voyais flou, j'avais du mal à me tenir. J'ai été voir pas mal de psys, dont un comportementaliste en EMDR. Il me disait « Attendez avant de qualifier ce qui vous est arrivé de viol, parce que ça pourrait vous enfermer dans le rôle de victime. » Et moi, j'ai eu l'impression un peu qu'il me disait que je devais accepter ce qui m'était arrivé. Et ça m'a pas plu, ça m'a plutôt augmenté le sentiment de honte. Donc voilà, j'ai dit que c'était trop cher et je suis partie vers ailleurs. Moi, ça m'est arrivé, c'est tout petit bout de ma vie, c'est 5 minutes, 6 minutes de conscience. Et donc, à un moment, je me suis raconté, je peux bien gommer 5, 6 minutes de ma vie. Tout ce que j'ai oublié dans ma mémoire, il n'y a pas trop de problème. Et puis, étonnamment, c'est corporellement. C'est vraiment dans la mémoire du corps que je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à oublier. Parce que corporellement, j'avais des phénomènes qui me montraient que j'étais marquée, que mon corps était marqué. J'étais hyper agressif avec les hommes. Je pense que c'est dans mon rapport aux hommes qu'il y a quelque chose où... Il y a des moments où je vais agresser mon partenaire. Alors il y a des choses évidemment qui font que je suis énervée, etc. Mais dans mon énervement, il y a quelque chose aussi qui... Je pense que tu vois, ce qui a été bousculé, c'est que... si un homme en est capable... Quelque part, tous les hommes en sont capables. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la masculinité elle-même qui a été ébranlée. Et parfois, je bascule dans la peur que finalement,
tous les hommes ne nous voient que comme un corps. Et je pense que parfois c'est un peu vrai aussi. Donc voilà, là, il y a du démon. Il y a du démon parce que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Il y a du démon aussi dans... À un moment dans ma vie, j'ai avorté. Parce que j'étais pas capable. Je me disais, si c'est un petit garçon, je ne suis pas capable de le recevoir. Je vais le couvrir de honte. Il a fallu du temps. Tu as eu un fils? J'ai eu un fils. Oui. Et ça a été comment? Une réconciliation. Chez ma mère, j'ai tout fait aussi, vraiment. Ça n'allait pas. Du coup, à ce moment-là... J'ai décidé de m'installer à Paris parce que, je sais pas, là-bas tout me semblait possible et surtout je voulais avoir quelque chose de beau à voir qui pouvait me distraire. À ce moment-là, j'étais constamment dans le souvenir de ma vie d'avant. Je voulais essayer de retrouver ce sentiment d'unité qui était si évident en fait avant. Et en fait, mon état suivait des cycles. J'essayais d'aller de l'avant, mais rien ne me satisfaisait vraiment. J'avais peur que les gens me percent à jour. Et tout ce qui faisait... Comment dire? J'avais toujours été très, très entouré, et d'un seul coup, je me retrouvais très, très seul. Tout ce qui faisait ma personne, ma douceur, ma vulnérabilité, ma sensibilité, toutes ces choses-là, je les détestais. Parce que j'étais persuadé que c'était pour ça que je m'étais fait avoir. Et puis, aussi, tous les ans, aux alentours du mois d'avril, je commençais à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement, là, tout foutait le camp. Et je démissionnais, en fait. Je détruisais tout. J'allais chez des amis, je traversais la route, il y avait un boulevard où il y avait plein de voitures. Et j'ai senti comme mon corps qui voulait se jeter sous les roues. J'ai repris la raison, mais je pense une minute avant. Et en me disant, bon, qu'est-ce que tu fais? Et c'est plusieurs mois plus tard que je me suis rendu compte que j'allais pas bien. Et à dire viol, vraiment, de placer ce mot-là, je passais par plein de chemins détournés, en disant c'est une situation, c'est une relation abusive, c'est un pervers narcissique. Enfin, j'utilisais tous des termes qui faisaient que j'avais pas besoin de dire viol. Et je pense que dénoncer un viol, ça fait partie des pires idées qu'on puisse avoir dans la vie, quoi. Et en même temps, des meilleures. Mais les conséquences derrière, les gens, ils aiment pas ça. Hein. Vraiment. Hein. Je me suis pris, mais des... J'étais à Bruxelles à ce moment-là, quand je l'ai fait. Je me suis pris, mais des décharges. C'était impressionnant le nombre de personnes qui sont retournées contre moi, même certains des amis, quoi. Et qui sont tous mis à me détester, et aussi j'avais encore les échos de ce qui se passait à Lyon, de dire les pires horreurs sur ma personne. Parce que... je sais pas, il y a toujours ce truc de « Oui, mais c'est mon ami, ouais, mais... Ben, il est sympa, mais Ben, il est gentil. » Ben oui, Ben, il est gentil, sinon je me serais pas fait avoir. Du coup, on l'a tour. Oui, évidemment, Ben, il est hyper sympa, il est hyper chouchou, il est hyper mignon. La question, elle est pas là. La question, c'est que Ben, c'est un connard. Qu'est-ce qu'ils font? Eh oui. Tous ces humains-là. Il y a une fois que je me souviens très bien, j'étais encore toxicomane. Oh putain, c'est dur de parler de ça. J'étais encore toxicomane à ce moment-là. Je prenais de l'héroïne, 3-4 grammes par jour. Et donc, c'est avec mon copain actuel, hein, avec qui je suis toujours. On est ensemble depuis 11 ans.
Et voilà, et en fait, l'héroïne a ce pouvoir miraculeux qu'on peut bander, mais on n'éjacule jamais. Et on peut ressentir de la libido et on peut bander, et ça peut durer des heures et des heures et des heures. Et on couche ensemble avec mon copain. Et mes souvenirs sont hyper flous parce que aussi j'étais complètement défoncé tout le temps à ce moment-là. Je crois qu'il y a une partie de moi-même qui veut pas se souvenir. On a commencé à coucher ensemble. Je saurais pas dire si dès le départ il était d'accord ou pas de coucher ensemble. En tout cas, on commence à coucher ensemble et lui il était passif, moi j'étais actif. Et au bout de 30 minutes, une heure, je dirais, mais je suis pas sûr du combien de temps ça a duré. Là, il me dit que voilà, il en a marre, ça lui fait mal, il veut arrêter. Ou en tout cas, au début, c'était que j'y aille plus doucement. Et oui, j'y allais plus doucement, 2 secondes. Et après, j'ai re-allé fort parce que de toute façon, j'étais défoncé, je captais rien à ce que j'étais en train de faire. Et donc, je continuais, et je suis quasiment sûr, mais lui veut. J'ai essayé d'en parler, il veut pas qu'on parle de cet épisode. Je peux en parler moi, mais lui, il en parlera pas. Je pense qu'il m'a dit 3 fois non, assez clairement en fait. Et où j'ai continué, et le pire, je sais pas si c'est le pire ou le mieux, j'en sais rien, mais. Enfin, c'est pas à moi de dire ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout capté de ce qui s'était passé sur le moment. Moi, j'étais défoncé, et puis, tout le monde était des cons, tout le monde me faisait chier, donc tous les prétextes étaient bons pour me comporter comme un connard avec tout le monde. Et j'ai pas capté du tout ça, je suis même pas sûr que lui, il en ait parlé avec qui que ce soit. C'était hyper hardcore en fait de me souvenir de ça. Je me souviens de m'être effondré en y repensant. Je me disais, mais t'es... là c'est un cauchemar. Je me disais, t'es une ordure, ça ne va pas. On en a reparlé. En effet, ça n'avait pas été. On en a parlé une fois lui et moi ensemble. Vraiment. Et oui, ça n'avait pas été. Et ouais, j'avais franchi toutes les limites du possible et de l'acceptable. Et il m'a dit cette phrase à la fin de notre discussion, c'est ça qui a fini de me découper en deux. C'était « Oui, mais je t'aime, mon chéri, t'es l'homme de ma vie. » Et c'était horrible, horrible, horrible d'entendre ça, parce que je me suis dit « Mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui vient rattraper les pires actes du monde ?» Pendant plusieurs années, j'ai fait du théâtre dans différentes écoles. Et là, j'ai rencontré une pédagogue qui a très vite décelé mes verrous et ma honte. Elle m'a dit « Tu es emmurée, mais je ne viendrai pas te chercher. » Et avec elle, j'avais compris quelque chose. Que ce n'était pas parce que j'ignorais mon mur qui ne se voyait pas et que personne n'avait envie de me retrouver au fond de mon trou, quoi. Et puis, j'ai laissé le théâtre pour me lancer dans la danse. Une 20aine d'heures par semaine, j'ai détruisé mon corps pour détruire ma rage, je déchargeais ma haine. C'était une haine sans but. En fait, il n'y avait même pas lui, non. Pas de visage, pas de lui. Lui, c'était quoi? Une ombre qui m'avait volé ma vie. Je voulais vider ma tête. Mais dès que j'arrêtais de bouger, je m'effondrais. En fait, ma seule énergie, c'était ma rage. J'ai réalisé que ce dont j'avais le plus honte, c'était d'avoir abandonné une partie de moi derrière. Je n'étais plus retournée à Lille, depuis presque 10 ans aussi. Eh bien, je suis retournée y vivre. J'ai repris les cours de philo que j'avais entamés là-bas. D'ailleurs, mes proches étaient tous surpris. Eh bien, il fallait que je m'occupe du fantôme que j'avais laissé là. Ouais. Et ça m'a fait du bien. C'est pas facile. Il y a des choses qui remontent, mais bon. Qu'est-ce qui remonte? Non, je parle de moi-même. Il y a des choses qui remontent. C'est pas le texte. Ça révèle certaines choses, quoi.
C'est le fantôme. Oui. Le fantôme est là. Le fantôme, il est là, il rôde. Mais bon. Je n'ai pas directement jugé, mais je me suis dit, mais pourquoi elle est retournée, quoi? Ou bien elle ne se rendait pas compte? Je la culpabilisais un peu. Je me disais que, vu moi ce que j'ai vécu, comme je disais, j'étais à un certain moment, j'étais tellement à fleur de peau que même un petit garçon... Derrière moi, je le sentais. Donc moi, je n'aurais même pas permis. La première fois, j'aurais... Peut-être si je doutais, deuxième fois, je n'allais pas permettre qu'il y ait une deuxième fois, en fait. Donc pour ça, je l'ai un peu culpabilisée. Je me suis dit, attends, elle a voulu ce truc. C'est pas normal, quoi. Mais on est... Il n'y a personne qui veut ça. J'ai eu les rapports du médecin. Maintenant, je regarde parce que c'était tellement dur que j'ai brûlé ça. Mais je n'aurais pas dû parce que c'est... J'essaie de retrouver parce que j'avais perdu la mémoire pendant 18 mois. Moi. Donc, il avait écrit tout ça et quand je lisais ça, c'était tellement dur que je me dis... Non, je voulais pas garder, je voulais passer à autre chose. Donc à Lille, assez vite, on m'a donné le nom d'une association. Moi, je doutais de mes souvenirs, en fait. Je me disais, t'es une perverse, menteuse, manipulatrice, t'es quelqu'un de mauvais. Et du coup, raconter précisément tout ce qui s'était produit... En fait, ça me paraissait impensable. Mais je m'accrochais à la certitude qu'il fallait que j'aille voir cette blessure de plus près, justement. Que même si j'étais pas sûre de pas y être pour quelque chose. J'y suis allée. Une fille m'a reçue. Elle avait les cheveux noirs corbeaux, une iroquoise, elle avait des anneaux partout. Enfin, c'était... Mais elle avait des intonations intelligentes. Et elle m'a dit, ici, on est un lieu d'écoute. On accompagne l'émergence de la parole, votre douleur, vos troubles. Enfin... Et je me souviens que je me suis dit, il y a donc un « nous ». Et enfin, c'était d'un coup, c'était plus juste moi et mon viol. Quoi. J'étais engagée dans une histoire plus globale, quoi. C'était plus juste, enfin, j'étais plus ni folle ni seule. Donc, j'y suis retournée une fois par semaine. Et alors, au début, j'avais peur de blesser la femme qui m'écoutait avec mon histoire. Mais dans ses yeux, je voyais que. Voilà, c'était pas avec des mots que je l'écorcherais. Grâce à elle, au lieu de traquer ce qui allait pas chez moi, j'ai commencé à me demander ce qui n'allait pas dans ce que lui m'avait fait.
Enfin, n'importe quelle fille en a déjà rencontré, et moi aussi, des hommes maladroits. Mais un violeur, j'en ai rencontré qu'un. Forcer un corps qui est sec, qui te rejette, qui te donne aucun signe de désir, mais même une personne la plus inattentive, elle s'arrête en fait. Moi, j'ai consenti à un baiser qu'aurait été donné dans l'échange, parce qu'en fait, peut-être qu'il aurait obtenu les choses de façon consensuelle, enfin partagée, mais c'était pas ça qu'il voulait. Il voulait pas me faire l'amour. Les thérapies de groupe, j'ai été qu'une seule fois. Et ça m'a sauvée aussi. Parce que là, j'ai vu des jeunes enfants. Une fille et un garçon. 6-12 ans qu'ils avaient. Qui ont été violés par leur père. Et quand j'ai vu ces enfants-là raconter cette histoire, le petit garçon qui était complètement... qui était là physiquement, mais qui était ailleurs, quoi. Purée, j'ai dit, waouh, ok. Et ça a commencé quand il avait 2 ans. 2 ans, j'imagine, 2 ans, ton père. Allez, et la fille, je ne sais même plus. Donc, il y a eu un drame qui s'est produit dans la famille. On les a placés et on les avait amenés dans ce groupe-là. Pour eux, ils étaient déjà là, ils venaient régulièrement. Moi, c'est la première fois que je les rencontrais. C'était la première et la dernière fois d'ailleurs, parce que j'ai dit non, non quoi. Et quand je suis sortie de là, je me suis vraiment dit... Ok. D'abord, c'est des gens que tu connaissais pas. Bon, derrière ce qui est arrivé, il y avait aussi une sorte de racisme aussi. Donc, il y a tout ça qui fait que je me dis, bon, je n'excuse pas ça, mais je me suis dit, c'est pas quelqu'un que je vais voir tous les jours, mon père. Franchement, aller être à table avec un enfant après ça, et faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas imaginer que la mère n'ait pas vu ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça m'a vraiment posé mes questions autrement. Pour dire, moi, c'était des hommes qui n'avaient pas forcément ça en tête. Il y avait un qui était raciste, qui a boosté les autres. Et c'est des gens que je ne connaissais pas. Mais bon, mon père, non. Je crois que ces enfants-là, c'est dommage pour eux, mais moi, ils m'ont aidé. Après ça, j'ai vraiment dit, ok. Tu ne le connaissais pas. C'est passé. Disons que c'est ta vie passée. On avance. Et c'est à partir de là, ce jour-là, il y avait une des personnes qui avait un bouquin. Je ne sais plus lequel, je ne peux pas me rappeler de ce que c'était. Mais la couverture était très belle. Il y avait comme ça... C'était un dessin, ça ressemblait à un truc japonais, un truc comme ça. Donc, je sais, ça n'a rien à voir, mais ce bouquin, j'ai fait les librairies pour pouvoir le chercher. Et du coup, j'ai pris un bouquin, après un autre, après, et je me suis mise à lire. Et à chercher des belles histoires qui finissaient bien, des familles, des filles qui... Ben voilà, des histoires d'amour aussi. Voilà, j'ai vraiment lu de tout
J'ai épuisé des bonnes énergies dedans. À l'accueil, j'ai dit « Je viens pour un viol ». C'était étrange de m'entendre dire ça. J'avais décidé de déposer plainte il y a déjà plusieurs mois, mais je ne suis venue que 3 jours avant le délai de prescription. J'étais morte de peur. Un policier un peu pâteau est venu me chercher. Je me souviens, je me suis assise dans un fauteuil éventré, la porte était restée ouverte. Et là, directement, il m'a dit « Il va falloir m'expliquer pourquoi vous venez seulement que maintenant, parce que ça, on va me le demander ». Là, ben, j'avais envie de lui dire « Il faut affronter vos questions. Ce collègue-là qui fait des avions en papier, ces gens qui font des allées et venues sans arrêt dans le bureau pour venir chercher des chocolats, c'est compliqué. » Et je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir trouver ma place dans ce climat. Je me suis mise à contextualiser. Directement, le flic m'a arrêtée. Il m'a dit « Non, mais ça, voilà, ça je ne vais pas l'écrire. Il faut aller dans le vif du sujet. C'est quand que c'est parti en cacahuète ?» Il y a eu un moment d'adaptation. En fait, sous ses côtés un peu frustres, ce policier, il était collaboratif. Je lui racontais mon viol, lui traduisait ça dans sa langue. Quand il comprenait pas, il traduisait pas et il passa à la question suivante. Ça fait quand même bizarre de lire sur sa déposition « Je suis venue déposer plainte 10 ans plus tard, suite au mal qui me ronge. » Je me rappelle que je lui ai expliqué que je m'étais rapprochée physiquement de mon agresseur. Il a traduit ça par « geste de sympathie ». Et d'ailleurs, il m'a dit « Faut pas dire que vous êtes rapproché physiquement parce que vous aviez envie de flirter, parce que là, vous vous disqualifiez complètement. » C'est vrai, j'étais en confiance, j'avais consenti à ce flirt, mais j'avais pas consenti à me faire violer. Tu vois, alors que je suis à la police et que je suis la première à te dire quand tu te fais agresser à quoi ressemblait ton agresseur, quelle était la couleur de ses cheveux et tout. Quand tu te fais agresser, en fait, tu regardes pas ça. Tu n'es plus toi. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. Donc, tout ce que je me disais, c'est « j'espère que ça ne va pas arriver, j'espère qu'il ne va pas me faire de mal, j'espère que ça ne va pas déraper ». Et en fait, je pense que j'étais dans un état second où j'avais complètement quitté la personne que je pouvais être. Et donc, la seule chose dont je me rappelais, c'est comment il était très, très grand. Tu veux, j'avais mes yeux qui arrivaient autour de son cou. Et il avait une chaîne en or avec la carte de l'Afrique au cou. Et ça, c'est la seule chose que j'ai pu dire au policier. C'était le seul élément, j'étais complètement fixée là-dessus. Et donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand il arrive quelque chose comme ça. On a des réactions qui nous dépassent complètement et qui ne sont peut-être pas les réactions qu'on aurait prévues. Moi, tu me dis, tu vas te faire agresser demain, comment tu vas réagir? Je vais te dire, comme j'ai appris, je prends le gars par le bras, je le retourne, je lui donne un coup entre les jambes, je vais crier, je vais appeler de l'aide. Et puis en fait, bizarrement, quand ça arrive, tu réagis, mais d'une manière qui est complètement différente. Moi, j'étais tétanisée, j'ai pas crié, enfin, j'ai rien dit. J'ai jamais rien dit du tout. D'ailleurs, alors que j'avais vraiment rien à craindre, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Mais mentalement, elle m'a complètement... guidée, quoi. Enfin... T'étais sous emprise. Ouais. Pourquoi est-ce que tu la protégeais? Je sais pas. Il y a eu des moments où ça me faisait de la peine pour elle. Parce que je savais que dans le contexte, elle était... c'était une espèce de religieuse, tu vois. Donc tout bien, comme il faut, je sais pas quoi, qu'elle était responsable de moi, donc... C'est vraiment le genre de truc, pour moi, le seul exemple que j'avais, c'était les prêtres pédophiles, tu vois. Je me disais, non, mais je peux pas, enfin, c'est le scandale, tu vois. Et puis parce que c'est mes parents qui m'ont mis là-bas, donc... c'était violent, c'était dur, c'était difficile, c'était... Enfin, elle m'a fait du mal, j'ai beaucoup saigné plein de fois, je me sentais bloquée, j'étais, tu vois, plein de fois, elle me tenait, tu vois, j'ai eu que des sensations physiques désagréables, de dur, de tu vois, de Je me souviens qu'elle se frottait tout le temps à moi, tu vois, et elle me bloquait complètement. Il y avait des moments où j'étais sous l'oreiller, tu vois. Pas...
je sais que c'est des trucs qui sont... Et j'ai vécu à côté de ça des relations amoureuses magnifiques, très douces et tout, donc je sais très bien que c'était horrible, violent, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça, moi, qui m'a... C'est vraiment pas ça du tout qui m'a traumatisée ou qui m'a fait du mal, vraiment. Le fait de pas pouvoir... Enfin, le fait de me faire avoir sur « t'inquiète pas, c'est terminé, t'inquiète pas, excuse-moi, j'aurais jamais dû faire ça », et puis en fait, elle revenait le soir, tu vois. Et plein de fois, je lui ai parlé, plein de fois, je lui expliquais. Et j'étais en larmes et je disais que c'était juste pour moi, que c'était juste horrible et que je... Enfin, que... Et elle pleurait aussi, et elle était... En tout cas, je la sentais hyper malheureuse et elle s'en voulait, elle se tapait, elle était vraiment dans un truc... Et elle revenait quand même le soir, quand tout le monde était couché, quoi. Et moi, c'était ce truc ultra ambigu et bizarre et pas à sa place. Ça pouvait pas être cette personne-là, qui, alors que c'était mes parents qui m'avaient mis dans ces... Tu vois, c'est ce truc-là, moi, qui m'a traumatisée. C'est le fait de moi de me voir, tu vois, essayer de l'éviter, trouver des solutions pour pas qu'elle passe la porte, quoi. Tout ce truc, en fait, qui m'a le plus traumatisée, quoi. Et alors, je vais te lire ce qu'il a écrit. Je suis repartie chez lui pour avoir une discussion et il m'a déshabillée à nouveau. Ensuite, je me rappelle simplement qu'il a utilisé mon corps comme une poupée. Il m'a pénétrée en faisant plusieurs positions. J'ai peur qu'il ait éjaculé à l'intérieur. Je suis incapable de vous dire si l'appartement était fermé à clé. Pendant ce second viol, je me suis sentie humiliée. J'avais particulièrement mal. Ensuite, je me suis rhabillée. Je suis rentrée chez moi à l'issue... sans rien dire. Mais à la fin, le flic, il m'a donné des mouchoirs, des œufs de Pâques, et puis il m'a demandé... Enfin, vous, la bagatelle, ça va, là, maintenant? Parce que moi, j'en ai vu avec des bassins défoncés. Et tu vois, là, j'ai percuté en me disant, bah oui, cet homme, dans son quotidien, là, il doit en entendre. Et ça l'a mis en perspective, un peu, avec son côté bonhomme. Et tu sais, bizarrement, hein, en déposant plainte, j'ai découvert un truc hyper important. Ouais, j'ai fait une erreur. J'avais 19 ans, j'étais immature, bon, tu connais mon caractère, je voulais me débrouiller toute seule. Et donc, personne m'a forcée. Donc, j'ai été responsable. Et cette part de responsabilité à des moments, ça m'a aidée à me dire, ouais, pourquoi j'ai pas été portée plainte au premier viol, hein, ça aurait été fini. Et ben non, là, voilà, j'étais responsable, mais pas coupable. Et cette erreur, là, tu vois, ben, l'erreur, c'est vachement humain. Et ça m'a fait un truc de me dire, c'est une erreur, c'est pas un crime. Et voilà, une erreur. Bon, enfin, ça m'a coûté, quoi. Ça va? Oui. Un truc qui m'a... Enfin, je me suis imaginé que je parlais à ma sœur, en fait, et voilà. Du coup, je sais pas, il y a eu un truc d'émotion qui est sorti, je sais pas pourquoi, mais... C'est le texte? Oui, parce qu'avec ma sœur, on se parle pas beaucoup de choses, voilà, ça aurait été difficile, enfin, c'est un truc difficile, ça aurait été difficile à dire à ma sœur, quoi, voilà. Mais bon, c'était peut-être trop, mais bon, là, j'ai pas calculé, quoi. Tu veux un verre d'eau? Oui. J'ai été me mettre dans des situations pas possibles. Je pense que j'avais besoin d'expérimenter, de comprendre le sexe de possession, moi j'appelle ça. Et donc je l'ai expérimenté en étant moi-même actrice d'une sexualité de possession. Je me mettais moi-même dans des situations... parce que je pense que j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'est d'être dans cette impulsion sexuelle pour pouvoir lui pardonner par derrière. Donc je me suis mis dans beaucoup de situations un peu bizarres, mais que maintenant je comprends qu'en fait c'était nécessaire
pour le vivre, mais en le décidant. Et oui, c'est clair que ça, je pense, c'est un truc où moi, j'étais très fort dans la honte à ce moment-là, parce que tu sens bien que tu fais quelque chose de bizarre. T'es censée être victime et dire « je ne veux plus jamais ça », mais il y a quelque chose où... Il y a des... Moi, c'était souvent avec l'alcool, hein, mais je me mettais dans des situations un peu compliquées, quoi. Et donc, je crois que ça, c'est des choses très dures à identifier, hein, comme le viol en lui-même, il y a souvent une zone de flou, le comportement de la victime derrière, il y a une zone de flou, parce que pour moi, c'est vraiment comme... si on t'avait donné une maladie. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se tait. C'est parce que c'est pas très simple à décortiquer. La part de responsabilité qu'on a. Oui, et je pense que moi, cette part de responsabilité, je ne savais pas l'identifier tant que j'ai pas réussi à trouver, en fait, quelle était ma sexualité. Parce qu'en fait, c'était très bizarre. Je disais, non, ça ne me va pas, c'est horrible. Je suis en souffrance, en règle générale, du rapport à l'homme avec moi, etc. Mais vu que je ne savais pas comment on pouvait faire autrement... Ça pose clairement cette question-là, d'avoir accès à sa propre sensibilité, en fait, je crois. À ses propres émotions, c'est quelque chose... Moi, ça m'a pris des années avant d'en arriver là. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment le travail du sexe qui, pour moi, était salvateur là-dedans, qui a fait que... J'ai eu accès à mes émotions et accès à ces questions des limites et de mon propre consentement. Parce que je n'avais pas le choix dans le travail du sexe que de me poser ces questions-là. Il faut en passer par là pour savoir qu'est-ce qu'on fixe, qu'est-ce qu'on fixe pas et comment on le monnaie. Et ouais, du coup, je pense, moi, dans mon cas, c'est vraiment le travail du sexe qui m'a fort aidé à découvrir tout ça, mais... Je pense que pour la plupart des gens, c'est vraiment pas si facile que ça. Et je vois vraiment avec mes clients anciens, vraiment, les trois quarts, ils savent pas ce qu'ils veulent. Les gens ne savent pas ce qu'ils aiment sexuellement, quoi. C'est ouf. Il y a une part de fantasme, et heureusement, les fantasmes, ça aide à vivre, je crois. Mais il y a plein de gens qui se réalisent pas ce qu'ils peuvent aimer ou ce qu'ils peuvent pas aimer, ou qui me disent des trucs hyper bateaux... Je sais pas, par exemple, je sais pas, pour être un peu vulgaire, un gars qui va me dire « Oui, mais moi, je veux que tu me soumettes et je veux me faire baiser comme une grosse salope. » Ok, pourquoi pas. Il y en a plein qui aiment ça, par ailleurs. Mais ce gars auquel je pense, bah, lui, il aimait pas du tout ça. Il déteste la sodomie, en fait. Mais pour un gay, pouvoir se dire « J'aime pas la sodomie », c'est hyper dur. Il y a un truc institué dans la baise. Et moi, je définis très très clairement ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est hyper clair, et surtout maintenant, je suis dans un mode où si t'es pas content, tu dégages. Tant pis, je me ferai moins de sous, parce que cette situation dont je parlais, où ça s'était mal passé, je le faisais pour me faire plus de pognon, mais finalement, je me suis rendu compte que je m'en faisais moins, parce que ça me traumatisait tellement, ça m'était tellement pas bien pendant plusieurs jours, que je recevais personne pendant 5 jours. Je me suis vautrée complètement dans ma féminité à la con très longtemps, et puis... Depuis quelques années, là, en vieillissant, j'essaie un peu de rassembler mes billes, quoi. C'est quoi la féminité à la con ? La féminité à la con, c'est de continuellement être poreux au désir de l'autre, plutôt que de se forcer à formuler son propre désir. De répondre aux attentes des autres, plutôt que de se forcer à pointer, à formuler ton propre désir. Je lutte tellement contre mes propres démons de soumission, de plaisir à la soumission, de plaisir au paternalisme, parce que j'ai mes propres douleurs, j'ai perdu mon père, etc. Donc je transfère des choses, enfin, tu vois. Et en même temps, j'essaie de lutter contre ça. Je me dis, c'est pas possible, tu vas pas écouter ces vieux cons. Tu vas pas te laisser manipuler et... Tu vas pas les laisser décider de ce que tu fais, de ce que tu dois faire, quand même. À 37 ans, quoi. Mais voilà, j'ai quand même toujours des trucs, des vieux trucs... qu'il faut que je m'arrache, vraiment. C'est un combat, vraiment.
lutte. Moi, le garçon avec qui j'étais pour la première fois, je savais que c'était pas un type avec qui je devais rester. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc automatique qui te force à rester. On sait pas trop ce que c'est, hein, mais... C'est pas comme si c'était humain, mais qu'on en avait conscience. C'est dur à expliquer. Est-ce que c'était pour pas le blesser, lui ? Non, moi je pense pas que c'était ça, parce que... C'était un type qu'on pouvait blesser, hein, et après ce qu'il avait fait. Mais je sais pas, c'est comme une sorte d'attirance qui t'oblige un peu. C'est vraiment difficile à expliquer, mais moi j'ai pas compris pourquoi je suis restée avec ce garçon. Et à mon avis, elle comprend pas non plus pourquoi elle est restée au lieu de partir quand elle a envie de partir. Moi, je devais avoir des sentiments. Je sais pas. Est-ce qu'il y avait pas aussi de la curiosité de ta part ? Si, sûrement, ouais. Si. Ouais, et une envie de savoir ce que ça donne, ce que ça va devenir. Au lieu de tout abandonner. C'est ça, ouais. À quel moment, en fait, tu te dis, non, mais en fait, y a rien à tirer de cette situation ? À partir du moment où l'autre te le prouve vraiment clairement, ou que lui en décide aussi un peu ainsi. T'as jamais pensé à porter plainte ? Non. Pourquoi ? Bah, je sais pas, parce que le fait de l'avoir écrit, déjà, ça m'a... J'ai l'impression que c'était déjà suffisant. Parce que j'ai pas du tout envie de la revoir, parce que je pense que... Parce que j'ai déjà imaginé cette scène plein de fois, et j'ai déjà imaginé plein de fois y aller, et je sais très bien où c'est, et aller, tu vois, physiquement, avoir une conversation en face, quoi. Le problème, c'est que je sais pas du tout si je serais... Je vais pas... J'aurais peur, en fait, d'être exactement la même personne qu'avant, et de me faire complètement... de pas réussir à parler en face d'elle, en fait. Donc le fantasme de, finalement, tu te retrouves en face et puis tu cries tout ce que t'as à crier et tu as toute la rage qui sort et tout, je crois. Je pense que je pense pas que j'y arriverai. Et du coup, je sais pas si j'ai envie de... Je pense que je serai exactement comme j'ai été avec mes parents. Quand je leur ai expliqué, mes parents, j'ai passé une heure à m'excuser de leur faire du mal, si ça allait leur faire du mal. Je les ai mis en condition, je leur ai offert des cadeaux, j'ai fait un super déjeuner, tu vois. J'ai passé une heure avant de leur expliquer à eux, tu vois, parce que je savais que ça allait les blesser énormément. Moi, ma mère, je l'ai jamais vu pleurer de ma vie. Quand j'ai vu qu'elle s'est mise à pleurer, je m'en suis voulu tout de suite, tu vois. Je me suis dit, mais je peux pas lui faire ça. Elle a 74 ans, tu vois, je lui balance ça. J'ai clairement des phases de ma vie où j'ai énormément d'énergie, je travaille, je suis fatiguée. Quand elle dit j'épuise mon corps, je fais que ça, tout le temps. Je suis tout le temps dans l'épuisement, je remplis. Là, le boulot que j'ai pris, bon, j'étais dans la merde et tout, mais je sais très bien pourquoi je l'ai fait, parce que j'ai passé 2 mois de merde, toujours, tous les ans, c'est comme ça, avant Noël, 2 mois pourris, alors que j'avais construit plein de choses super. Et ben, du jour au lendemain, tout d'un coup, je me transforme en... Je suis complètement apathique, c'est exactement ça. Et je détruis tout et je repars à zéro. Et là, je sais même plus si je le fais pour reconstruire quelque chose de bien ou si là, je suis en train de... Ça fait 6 mois que je suis dans cet appartement. Je suis avec Jeanne, elle a 7 ans, tu vois. Et je la déménage d'école, je redéménage, je reconstruis un truc. J'ai toujours besoin de redémarrer un truc nouveau pour... En me disant, cette fois-ci, c'est bon, je vais y arriver, je vais tenir longtemps sur la durée et je vais pas me faire... prendre par les émotions ou par la tristesse, et puis j'y arrive pas. Et tous les 6 mois, ça me reprend, et tous les 6 mois, j'arrête tout, je démissionne, je change de boulot, je change d'appartement, je change tout, je suis capable de déplacer mon enfant, je sais même plus si je suis responsable ou pas par rapport à elle, en fait, parce que je peux pas faire autrement. Je me...